Ah, voilà une volontaire désignée d'office. Ah bon? Et pourquoi je dois être volontaire? Bien, tu viens avec mon voiture, on va jusqu'à la chapelle, et tu m'aides à décharger tous les bouquets de fleurs et à les mettre en place. Il doit y en avoir 5 ou 6 tonnes. Ah non, je regrette, je suis une petite fille riche qui a sans doute été trop gâtée. Et moi, je suis ta mère, alors dis. Ah bien. Parfait. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, comment va le père du mari? Il est fier et heureux. Que demander de plus? Une belle journée. Oui, et un bonheur éternel, c'est ce qui compte. Le reste. Il est vrai que lorsqu'on pense à toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser pour être ensemble, je trouve ça stupéfiant et également un peu mignon. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que lorsque deux personnes que l'on connaît, que l'on aime comme nous les connaissons et les aimons, doivent lutter pour se retrouver ensemble après tant d'aventures, eh bien on se dit qu'il y a une leçon à en tirer. Ah, et laquelle? La persévérance. Mon Dieu, un goût de revenez-y. Je croyais pourtant que ce n'était pas ton style. Il ne s'agit pas d'un goût de revenez-y. Nous avons fait ce que nous devions faire et... Tout est fini entre nous. Oui, tout est fini. Ça y est, maman, je suis prête. Je croyais l'être aussi. Pardon, est-ce que je dérange? Non, nous avons une minute de choses à faire. La voiture est devant la porte. Je te retrouve à la chapelle. Mm-hmm. Allons-y.